like this folk way. Valentin, bonjour. Bonjour. Un bon résultat en Coupe de France, une belle dynamique. Prochain match, réception de Créteil à domicile. Un petit point de vue là-dessus? Non, bah là on enchaîne les matchs, c'est bien. On a eu 15 jours sans match avec le, match contre Bourlon qui était annulé. Donc c'est bien, on enchaîne les matchs, ça fait du bien. Après voilà, il va falloir aussi gérer tout ce qui est le physique, etc. C'est vrai que le terrain est aussi pas facile, donc on va enchaîner dessus. Créteil est un adversaire qui est assez bien classé, donc voilà, on va essayer de faire ce qu'il faut. On a à cœur de se rattraper parce qu'à l'aller, on s'est un peu foiré là-bas, on a fait quelques erreurs d'une équipe qui apprenait, donc on va essayer de se reprendre et puis de prendre les trois points demain. Conditions météo annoncées difficiles, en espérant que ça ne neige pas trop dans les Côtes d'Armor. Tu préfères jouer avec les skis ou avec les crampons? Non, c'est vrai qu'on n'a pas trop vu la neige cette année encore. Donc on va voir ce qui est prévu demain. Normalement oui, a priori il neige, mais on s'adaptera. Si jamais il y en a trop, ben, on verra comment on fait. Mais voilà, on doit savoir s'adapter. On espère juste que le terrain tiendra, parce que voilà, si on a un match encore, on aura un match sûrement un samedi. Donc ça fera trois matchs à domicile. C'est vrai que la pelouse n'est pas forcément facile à jouer. Donc on espère que ça ira en tout cas. Merci, bon match. Merci.